Et la colère se poursuit en France après l'adoption d'une loi très dure sur l'immigration. Emmanuel Macron défend sa position, l'assume pleinement. Bon après-midi tout le monde. Julie Marcoux avec vous tout l'après-midi sur les ondes de LCN. Les ports de Montréal et de Québec étaient bloqués plus tôt aujourd'hui par des centaines d'enseignants qui sont membres de la FAE, qui ont eu recours à un coup d'éclat pour tenter de se faire entendre. Est-ce que c'est la bonne stratégie à adopter? Mélanie Laroche est avec nous, elle est professeure à l'École des relations industrielles. Bon après-midi à vous, Mme Laroche. Bonjour, Mme Marcoux. Alors, un coup d'éclat comme celui-là, d'empêcher le transfert de marchandises, donc de toucher en quelque sorte à l'économie, est-ce que c'est la stratégie à adopter selon vous? Bien, il y a plusieurs choses qui se passent là, depuis quelques jours dans ces négociations collectives-là. Puis effectivement, le ton monte. Puis je pense que ça s'explique. Ça s'explique parce que, bien, comme observateur externe de la négociation, on entend beaucoup de choses dans les dernières semaines qui sont très surprenantes d'un point de vue de la négociation collective. Comme quoi, par exemple? On a entendu les organisations syndicales nous dire qu'il y avait des nouvelles demandes aux tables de négociation dans la semaine dernière et cette semaine. Et ça, c'est très surprenant dans un processus de négociation collective rendu à cette étape-ci des négociations. Hein, tout le monde nous dit qu'on a une entente à portée de main. Mais quand on a une entente à portée de main puis qu'il y a des nouvelles demandes qui s'ajoutent à une table de négociation, c'est surprenant comme stratégie de la part du gouvernement. Et ça aide certainement pas à régler l'issue de la négociation collective. On entend aussi beaucoup, puis c'est pas une seule organisation syndicale, l'ensemble des organisations syndicales nous disent « nos vis-à-vis n'ont pas de mandat aux tables de négociation ». Puis encore là, ça, tu sais, de l'externe, moi, évidemment, je ne suis pas aux tables, donc oui. je peux pas savoir avec exactitude ce qui se passe, mais c'est quand même surprenant, rendu à cette étape-ci des négociations, où on a un gouvernement qui nous dit qu'il veut une entente avant les fêtes, et que si à certaines tables, là où le nerf de la guerre se négocie, c'est-à-dire aux tables sectorielles, là où l'organisation du travail se négocie, si réellement les vis-à-vis patronaux n'ont pas les mandats nécessaires et n'ont pas les coups des franges pour régler les matières qui sont les plus problématiques, mais encore là, c'est surprenant. Donc, le ton monte et je pense qu'il ne faut pas s'en surprendre. Hein, on a des groupes de femmes qui sont descendues dans la rue pour réclamer des améliorations, des services qui sont offerts aux élèves. Et ça, c'est assez typique là, de revendications parce qu'on ne verra pas ça dans le secteur privé. Des gens qui se privent de salaire pour demander à l'employeur d'améliorer le service qui est rendu aux élèves, aux prestataires de ces services-là. On ne voit pas ça du côté du secteur privé. Donc, c'est une vision de société qui est présentée là, à l'heure actuelle par les organisations syndicales. Et je pense qu'il y a des choix de société qui se réaffirment au Québec en ce moment. Madame Laroche, la présidente de la FAE, qui a admis en quelque sorte que jamais il n'aurait pensé que Québec les laisserait dans la rue aussi longtemps. Est-ce que c'est un aveu d'échec d'avoir eu recours très rapidement à la grève générale illimitée, selon vous? Moi, je pense que tout le monde est surpris par la lenteur des négociations. Tout le monde peut dire à l'heure actuelle que ce qui se passe, c'est grave. Ce qui se passe, c'est terriblement grave pour les élèves et en particulier pour ceux qui ont des besoins particuliers, puis en particulier pour les élèves aussi qui ont de la difficulté à avoir des services alimentaires. Donc, tout le monde s'entend pour dire que c'est grave. Je pense que personne souhaitait que la grève soit d'une durée comme celle-là. Mais on a des positions très campées à l'heure actuelle. Puis, on voit quelque chose qu'on n'a pas vu depuis longtemps au Québec, là. On a des organisations syndicales dans la rue qui proposent une vision de société. On a des élus qui sont sortis pour dire qu'ils appuyaient les grévistes. On a plein d'experts qui nous disent que c'est pas la bonne voie, celle que le gouvernement propose à l'heure actuelle. Et pourtant, tout n'est pas encore réglé. Et c'est ça qui est surprenant. Et vous oubliez peut-être de dire aussi, il y a des milliers d'enfants qui sont sans école depuis 5 semaines, vont terminer leur 5e semaine demain. Si ça, ce n'est pas suffisant pour faire bouger Québec, qu'est-ce qui va faire bouger le gouvernement? Bien, écoutez, c'est là où on dit que ça va prendre des voies de passage, puis je ne sais pas quelle est la stratégie du gouvernement à l'heure actuelle. Il y en a plusieurs qui pensent à la loi spéciale. La loi spéciale n'est définitivement pas légitime encore actuellement parce que le gouvernement... Bien,
ce qu'on voit dans les sondages, c'est que semaine après semaine, les parents puis la population en général appuient toujours les revendications des organisations syndicales en éducation. Et la vision qui est proposée par les organisations syndicales, les parents y ont adhéré et ils n'ont certainement pas adhéré à celle du gouvernement. Donc là, ça va être des choix politiques à faire. Ce que je trouve surprenant, c'est que dans le passé, ce gouvernement-là nous avait habitués à ce que les sondages aient un poids assez lourd dans leurs décisions. Là, ça ne semble pas être le cas cette fois-ci. Donc, au retour des fêtes, je pense qu'il va falloir voir comment les choix politiques vont se jouer, parce que pour moi, c'est rendu de cet ordre-là. Est-ce qu'ils auront recours par la force ou ils vont vraiment peser sur l'accélérateur pour régler ce conflit-là au plus vite. Mais si réellement les deux parties ont à cœur l'école publique, ouais. Là, il est temps qu'ils pèsent sur l'accélérateur, parce qu'à l'heure actuelle, c'est à l'école publique qu'on nuit. Mélanie Laroche, professeure à l'École des relations industrielles, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, au revoir.